Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, donc voilà, je vous reviens encore aujourd'hui dans notre chatroulette pour une nouvelle vidéo, mais avant tout j'aimerais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne, merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les partagent et qui me laissent aussi un petit commentaire les amis. Je vous dis merci et si vous êtes nouvelle dans notre chatroulette, abonnez-vous, ok? Abonnez-vous ici. C'est dans le Chatchaland où le lait des bébés, ça ne nous éclaircit pas. Le jus de citron, ça ne nous éclaircit pas non plus. OK? Ce qui nous éclaircit, c'est ce dont je veux parler ici aujourd'hui. Donc voilà. Si vous êtes nouvelle, comme j'ai dit, merci de vous abonner. Mais si vous êtes ancienne, en tout cas, la team, on est toujours ensemble et merci. Merci beaucoup. Merci d'être là pour moi. Donc voilà, aujourd'hui, je veux parler d'un produit. Beaucoup de gens m'ont déjà posé des questions par rapport à ce produit-là. So, aujourd'hui, je l'utilise depuis un bout déjà. Ça fait au moins 2 mois, parce que oui, c'est à moitié déjà, que je l'utilise. So, je me suis dit, j'allais vous en parler. Mais j'étais un peu busy. Okay, so, mais là, je me suis dit, je veux faire une vidéo pour pouvoir partager avec vous. Okay? Je veux parler des produits de Ordinary. Les produits de Ordinary sont répandus partout. Chez Sephora même, on en trouve. OK? Chez Sephora, on en trouve. Ou bien, vous pouvez commander chez Ultra. Ou bien, il y a chez Ultra, je pense. Ou bien chez eux, tout simplement, à la compagnie. C'est très facile à trouver. Ou bien, vous commandez sur sephora.ca, sephora.com. Ici, au Canada, ils ne sont pas vendus chez Sephora au magasin. Donc, si vous voulez les avoir, moi, je les ai commandés chez Sephora online.ca. OK? So, les produits de Ordinary sont des très bons produits qui traitent vraiment les problèmes de peau, notamment les problèmes du visage. Ça traite beaucoup les problèmes d'acné. Si vous êtes patiente, OK? Parce que parfois aussi, c'est ça qui arrive. On n'est pas patient. On veut juste avoir des résultats chap-chap. Et qu'est-ce qui nous arrive? Ben, on fait tomber tout. Donc, soyez patiente avec des produits, utilisez un produit et quand vous allez acheter le produit selon les besoins de votre corps. Si vous avez besoin de traiter les taches, l'acné, les boutons, ces produits que je vais vous montrer ici, ça va vous aider. Si vous me suivez depuis, ça fait 2 ans maintenant que je suis ici, donc si vous me suivez depuis longtemps, j'ai toujours dit ici que moi, les produits qui éclaircissent mon visage, ce sont des produits qui traitent l'acné. Parce que l'acné laisse les taches. Et quand un produit doit aller enlever les taches, ça veut dire que les taches ne disparaissent pas par magie. Les taches s'éclaircissent. Donc, si ça peut éclaircir les taches, ben ça peut aussi éclaircir ma peau noire. C'est aussi simple que ça. Moi, j'aime bien ça. Je vais vous montrer ici. Ça, c'est un produit de chez The Ordinary. OK? Ce produit, c'est un toner, une lotion tonifiante, voilà. C'est un toner que vous allez mettre sur un coton, comme ça. OK? Vous mettez sur le coton et puis après, vous appliquez sur votre visage. C'est comme ça qu'il faut le faire. Donc, ce produit ici contient 7% d'acide glycolique. Ça contient 7% d'acide glycolique. L'acide glycolique lutte contre les taches, contre l'acné. J'ai déjà parlé d'un produit ici de Neostrata. Ça, je pense que c'était un 10% et 8% de glycolique acide. Donc, quand vous avez fini de nettoyer votre visage, enlevez le maquillage comme moi, tous les abracadabras à terre, OK? Vous lavez. Maintenant, on passe au soin du visage. Ça, vous allez juste mettre ça sur un coton et vous allez laver. C'est un toner. Tout le monde sait comment utiliser un toner. Tu mets sur le coton puis tu passes ça sur ton visage. C'est de l'acide glycolique. Ça ne se rince pas. Ça va piquer un peu si vous n'êtes pas habitué aux acides de fruits. Ça, quand même, 7%, le glycolique acide, c'est tolérable. Mais il y en a, ça peut piquer autour du nez ou bien sur le menton, ça peut piquer un peu. Bien, ne mettez pas ça. Évitez les contours des yeux, bien sûr. Parce que, comme j'ai dit, c'est de l'acide. Hein? On ne joue pas avec. Donc,
Mais c'est ça que vous allez faire. Vous mettez ça sur un coton et puis après, vous appliquez ça sur tout le visage. Insistez là où vous avez des taches, des boutons. Insistez. Ça, comme j'ai dit tantôt, ça ne se rince pas. Vous allez juste appliquer ça sur le visage et vous allez rincer. Quand vous allez rincer, vous pouvez maintenant aller appliquer n'importe quel sérum que vous avez pour un sérum éclaircissant. Vous pouvez mettre. Ça ne se mélange pas avec d'autres acides. Si vous avez d'autres produits qui contiennent de l'acide, ça ne se mélange pas. Ça, c'est de l'acide glycolique. Vous n'allez pas aller mettre un autre produit qui contient de l'acide salicylique, de l'acide lactique et pour mettre sur votre peau. Non. C'est un produit qui contient de l'acide once. Ça, ici, il y a un pH de 3,6. Donc, c'est bon. Et c'est normalement, c'est bon pour tout type de peau. OK? Ce sont des produits que nous, souvent, on dit que ce sont les produits des blancs. Mais notre peau a aussi besoin de ça et ça nettoie très bien. Quand tu appliques ça ici sur ton visage et que tu as un bon sérum, maman, ça va éclaircir tes taches. OK? Beaucoup me demandent, maman Inès, moi, je veux juste éclaircir les taches. Je ne veux pas éclaircir. Je suis désolée, ma chérie. Éclaircir les taches, ça n'existe pas. Tu vas juste être fond ta coca. OK? Soit tu éclaircis ton visage et les taches avec, soit tu restes juste comme ça. Mais tu peux toujours utiliser des savons exfoliants. Il y a des produits chez Macari, les savons chez Macari, qui sont très bien, qui vont t'aider à sécher les boutons et à aider aussi avec les taches. Mais sauf que moi, selon mon expérience, ce que je sais, c'est qu'une tache, ça s'éclaircit. Ça disparaît pas. La tache, elle est noire. Donc, quand tu mets ça ici, et puis après, tu ajoutes un sérum, un bon sérum. J'ai déjà parlé, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos ici sur des sérums éclaircissants que vous pouvez utiliser qui vont vous donner de très bons résultats. Trouve un sérum chez Macari, trouve un sérum, je ne sais pas où, je ne sais pas, mais trouve-toi un bon sérum parce que le sérum, ça cible, le sérum traite, le sérum, ça enlève les taches. Donc, avec ça ici, ça nettoie très bien, ça va sécher. Si par exemple tu pèses sur les boutons, vous savez, on est des femmes, parfois il y a des boutons. Moi-même, si je ne fais pas l'acné, mais j'ai parfois des boutons périodiques. Il y a parfois un bouton qui sort une fois par mois. OK? Donc, parfois ça arrive que je pèse dessus. Je lave avec ça. OK? Je nettoie bien mon visage comme avec ça ici. Et puis, je prends tige coton, je mets ça dans le tea tree. Et je dépose, mon bouton va sécher. Donc ça ici, les amis, les produits de Ordinary sont très bons. Ce glycolique acide-là, c'est un toner. 7%, c'est assez fort pour sécher ton visage. Donc le sérum que tu vas mettre après, ça va, comme c'est huileux, ça va aller hydrater un peu ta peau du visage. Parce que ça, comme j'ai dit, ça va sécher. Moi, je l'utilise tous les jours. Regardez ce qui me reste. Okay? Je l'utilise tous les jours comme un toner après mon maquillage. Après avoir me débarrassé de mon maquillage, je le mets sur mon visage et ça nettoie très bien. Okay? Ça nettoie. Vous allez mettre ça sur le visage et le cou, parce que le cou n'est pas à vendre. Hein? Il n'appartient pas aussi à grand-mère au village. Le cou, c'est à toi. Donc, quand tu utilises les produits, mets-les toujours sur le visage et le cou. OK, maman? Donc, The Ordinary, ce glycolique acide-là, 7%, vous pouvez le trouver chez Sephora, online, si vous êtes au Canada. Aux États-Unis, je pense que c'est vendu au magasin. Vous allez juste vous pointer chez Sephora et vous allez chercher les produits. Vous pouvez ramasser toute la gamme là-bas qui concerne le visage. OK? Moi, j'ai ça ici à la main. J'ai ça. J'ai aussi d'autres que je veux vous faire, que je veux vous montrer dans d'autres vidéos. Je ne voulais pas trop mélanger pour qu'on ne s'embrouille pas trop. On va rester sur ce toner-là. Ce toner-là, c'est quelque chose. Ça fait sa job. Ça n'agit pas par magie. Non. Mais si tu es patient, tu vas avoir des bons résultats.
N'utilise pas ça 3 jours après et puis viens me dire si maman Inès, ça marche pas. C'est normal. Donne le temps au produit. Le produit doit agir. OK? Si tu fais des allergies aux acides de fruits, then laisse tomber. Parce que les acides de fruits ne vont pas avec tout le monde. Moi, ça me va. J'utilise, vous savez très bien que j'utilise le high level des acides de fruits. Donc, c'est avec ça que j'éclaircis mes mains. C'est avec ça que j'éclaircis mes pieds. OK? Donc, ça ici, j'éclaircis mon visage avec. Ça éclaircit le visage, sans blague. C'est pas faux. Ça éclaircit. Ça ne se rince pas. OK? Beaucoup vont venir dire, Maman Inès, quand j'ai fini de faire ça, est-ce que je rince? Le toner, c'est comme n'importe quel toner. Quand on met le toner, on a fini de nettoyer son visage. Le visage est propre. Donc, quand on met le toner sur un visage, on ne le rince jamais. Personne ne rince un toner. Tu le laisses là. Combien même que c'est de l'acide, mais c'est fait pour rester là. OK? Ça ne se rince pas. Et ça, après, tu as le droit d'utiliser ta crème du visage après ça. Tu as le droit de mettre n'importe quelle crème que tu utilises sur le visage. Dépose-le dessus et puis va dormir. C'est de l'acide, donc c'est mieux de l'utiliser seulement la nuit. OK? La nuit seulement avant d'aller faire dodo. J'ai aussi dit que ça contenait, c'est 7% d'acide glycolique. Si tu mets ça sur ton visage et que tu sens que ça brûle, avant peut-être même de mettre ça sur ton visage, mets ça sur ton bras. OK? Mets ça sur ton bras pour voir si ça va te brûler. Si ça te brûle, then, tu peux mettre une cuillerée à soupe de ça et puis un demi-cuillerée d'eau. OK? Une cuillère de ça et puis un demi-cuillère d'eau. Tu mélanges et puis après tu mets ça sur ton visage. Mais sinon, je ne sais pas, peut-être parce que moi je suis habituée, mais moi ça ne me fait absolument rien. C'est comme si j'avais mis de la vaseline sur mon visage. Mais il y a d'autres personnes qui ont la sensibilité, qui ont une peau sensible, ils vont constater que ça va tingle, ça va piquer sur le visage. Mais ça passe. OK? Ça passe. C'est comme. Ça pique comme la vitamine C. Quand vous mettez la vitamine C20 sur le visage pour la première fois, ça pique. Mais après, quand vous vous habituez, ça ne pique plus. Okay? Donc, si vous voyez que ça vous a brûlé, eh bien, mélangez une cuillère de ça à côté avec un demi-cuillère d'eau. Vous mélangez à côté, faites une solution, puis vous mettez le coton dessus, vous passez sur votre visage. Pour le visage et le cou, passez aussi derrière les oreilles. Parce que sinon, là, qu'est-ce qu'on a? On a le visage qui est clair, le cou, puis tout est bon. Puis les oreilles là-bas, là, c'est comme si ça appartenait à la voisine. OK? Ce sont nos oreilles. Donc, oreilles, visage, cou. On s'occupe de ça très bien. OK, les amis? Donc, vraiment de ordinary. Si vous avez la chance de commander ça, quand vous allez tomber sur la page en ligne, faites vos recherches. Il y a beaucoup d'autres produits qui viennent avec que vous pouvez utiliser. Que vous pouvez accompagner avec une crème qui vient ou bien un sérum qui vient après ça. Mais sinon, moi, qu'est-ce que je fais quand j'ai fini avec ça? Je mets mon sérum du chia. Je mets mon sérum du chia, maman, et puis ça m'éclaircit le visage. C'est ce que je fais. Donc, lui, c'est pour l'acné, c'est pour les taches, mais moi, je l'utilise pour éclaircir mon visage. Donc, si toi aussi, tu as des problèmes à éclaircir ton visage, utilise ce genre de produits-là qui sont faits pour l'acné. L'acné, oui, c'est beau, mais les produits qui sont faits pour l'acné aussi, on peut les utiliser pour éclaircir. Moi, c'est ce que je fais sur mon visage. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous au cas où là-dehors, il y a quelqu'un. Beaucoup de personnes me parlent des taches, des taches, des taches. Ça, ce toner-là, il y a 7%. 7%, c'est beaucoup de. C'est beaucoup. Ça veut dire que ça va sécher les têtes de tous les boutons qui sont sur ton visage et ça va aussi les éclaircir. Parce que après les boutons, viennent les taches. Sur les taches, il va les éclaircir. OK, les amis? Donc, vraiment, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi un commentaire si vous avez déjà utilisé les produits de Ordinary. Ou bien si vous avez déjà utilisé n'importe quel produit, ou bien si vous avez déjà utilisé ce glycolique acide de 7%, ou n'importe quel produit
qui contient du glucolique acide et dites-le-moi en commentaire, toujours dans le respect, parce que ici dans le Tchatcholand, il n'y a pas un enfant à l'école primaire, nous sommes tous adultes. Puis si tu trouves que vraiment ce que moi je fais ici, c'est pas pour toi, maman, il y a toujours une porte de secours. Prends la porte puis laisse-nous ici parce que nous, on est des adultes vaccinés, on sait ce qu'on veut et on s'assume. Vous voyez, non? Donc voilà, il n'y a pas un bébé ici, c'est pour adultes que je fais cette vidéo. Ça, beaucoup peut-être vont venir me dire, maman Inès, est-ce que je peux mettre ça sur ma petite fille? Si ta petite fille a 12, 13 ans, oui, elle commence à avoir des boutons, oui, tu peux aussi mettre ça. Mais tu peux toujours demander un pharmacien ou tu peux demander un dermatologue ou bien son médecin. Parce que moi, ici, là, je suis diplômée en rien. Je partage seulement mon expérience. Mais la peau de ton enfant, tu ne vas pas jouer avec. Moi, ce que je sais, c'est que ce n'est pas assez fort, mais c'est toujours mieux de demander l'avis d'un professionnel avant de mettre quoi que ce soit sur les enfants. OK, les amis? Donc voilà, partagez la vidéo, laissez un commentaire, puis abonne-toi seulement, ma soeur. Parce que si tu t'abonnes pas, ici, ma chérie, si tu t'abonnes pas sur le Tchatcholand, tu vas pas ciao. Tu ne vas pas ciao. OK? Moi, je vous aime beaucoup. Portez-vous bien, on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.